Nous avons vécu une saison formidable à C'est dans l'air grâce à vous et grâce notamment au soutien que vous nous avez apporté en matière d'audience pendant cette année électorale et présidentielle. Alors évidemment, moi je vais prendre quelques jours de vacances et même un peu plus, quasiment 2 mois. Mais soyez absolument tranquille, C'est dans l'air continue et vous retrouverez pendant tout l'été mes camarades Axel de Tarlet et Laurent Bazin. Et c'est Axel qui s'y colle dès début juillet. Eh bien, écoutez, Yves, d'abord, c'est un honneur que de vous remplacer pendant tout ce mois de juillet. C'est bien. J'essaierai d'être à la hauteur. Et j'espère que vous serez nombreux, d'ailleurs, à réagir pour les C'est dans l'air sur Twitter, sur Internet, sur les sites de France5.fr. Et puis, il y aura beaucoup de sujets passionnants au mois de juillet. D'abord, bon, il y aura l'euro, bien sûr. Il y aura les décisions du gouvernement. Il y aura aussi les Jeux Olympiques. Voilà, en tous les cas, donc, j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous de C'est dans l'air qui dure tout le mois de juillet. Et en août, ce sera Laurent Bazin que je crois nous allons tout de suite écouter. Laurent. Merci Axel, merci Yves. Pardon de ne pas être avec vous, mais j'ai pris quelques jours de congé pour être fin prêt pour C'est dans l'air au mois d'août. Cela dit, je reste connecté, comme vous le voyez, et je ne manquerai pas d'envoyer un petit SMS, un petit tweet de temps en temps pour venir titiller vos invités.